Oui, c'est ici qu'on loge les gens, ici à Moria, en Grèce. En Grèce, regardez comment les êtres humains vivent dans ce territoire-ci. Regardez. Ils réclament chaque fois de l'argent à l'Union européenne. Oui, pour nous dire qu'ils nous aident beaucoup. Regardez comment les gens vivent ici. Regardez vous-même. Pourquoi quelqu'un ne pourra pas partir d'ici? Pourquoi quelqu'un ne pourra pas partir d'ici? Et si c'est possible de vivre dans cette condition-ci? Dans cette condition-ci? Et si c'est possible, mon Dieu? C'est possible. Vous, les hautes personnalités là-bas, devant, regardez. Regardez comment les gens vivent ici. Ils sont dedans, dans la glace, couchés comme des cadavres. Est-ce que c'est normal? C'est normal? Est-ce que c'est logique? Je vous demande, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique, mon Dieu, que les gens vivent dans ce genre de conditions, dans des cas pareils? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que les gens vivent ici? Vous ne laissez pas les gens partir, pourquoi? Vous retenez les gens pour faire vos gains. Vos gains. Oui, vous faites de l'argent sur le monde. Vous dites demain que vous aidez beaucoup les gens. Regardez comment les gens vivent dans ce genre de conditions. Est-ce que c'est logique? C'est logique, mon Dieu. Toi qui es le patron du monde, c'est logique. Hein? Les gens s'en foutent. Laissez-nous partir. Nous voulons partir d'ici. Regardez comment les gens vivent. Regardez vous-même comment les gens vivent ici. Regardez, les gens sont dans des petites bâches, emballés comme des cadavres. Ils sont là-dedans, couchés. Ces gens-là sont couchés ici dedans. Oui. Mais quand quelqu'un veut partir, on le retient ici. Comme si c'est un bénéfice d'être ici. Pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Pourquoi vous les autorités? Pourquoi? Hein? Pourquoi vous laissez les gens souffrir comme ça là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? À la logique, c'est normal. Regardez là où les gens sont cachés dans des petites tentes avec de la glace couverte au-dessus. Oui, ils vont sortir là tout à l'heure. Regardez la neige. Est-ce que c'est logique? Si quelqu'un prend, ramasse une carte, il veut partir se sauver. Mais on le retient ici. On le retient pourquoi? Pourquoi on le retient ici? Pourquoi on le retient ici? Est-ce que c'est normal? Rien n'est logique, mon Dieu. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, mon Dieu. Regardez une tente qui est cachée tout en bas là-bas. Est-ce que c'est logique pour un être humain? Vous pouvez vivre comme ça? Est-ce que vous pouvez vivre comme ça là? Vous pouvez pas vivre comme ça. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Laissons-nous avancer. Vous allez voir comment nous vivons ici. Et on dit que les gens veulent partir. Si les gens veulent partir, vous les laissez partir, ils continuent leur chemin. À pied même, nous sommes prêts à partir d'ici. Même à pied, nous sommes prêts à partir d'ici. Est-ce que c'est logique? Voilà une vidéo que je suis en train de faire. Et je vais l'envoyer très loin, cette vidéo-ci. Oui. Vous n'avez rien pour pouvoir faire garder les gens ici. Mais c'est vous les premiers à retenir les gens ici. Et c'est logique. Regardez, regardez là où les gens sont. Le monde entier. Même vos chiens vivent mieux que nous ici. Et c'est logique. Hein? Rien n'est logique dans ça. Rien n'est logique dans ça. Regardez vous-même, regardez. Regardez là où nous sommes. Regardez là où nous sommes. Là où les gens sont. Regardez. Hein? Regardez-nous ici. Est-ce que c'est logique? Rien n'est logique ici. Hein? Et on retient les gens ici tous les jours. Pour faire leur gain avec nous, ils font leur argent sur nous. Ils font leur argent sur nous. Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Est-ce qu'il y a une logique dans ça, mon Dieu? Regardez comment les gens vivent. Regardez. Est-ce que c'est logique? Rien n'est logique dans ça. Rien n'est logique dans ça. Rien n'est logique dans ça, mon Dieu. D'autres sont un peu bien cachés. D'autres, oui. D'autres sont bien cachés. Hein? Regardez comment les gens, les hommes, les êtres humains sont dans des cachettes, dans de la glace, couverts. Et vous ne les laissez pas partir. Vous les retenez chaque fois quand quelqu'un trouve une possibilité de partir. Vous les retenez. Hein? Nos tentes sont Regardez. Visées. Regardez, regarde ça comment nous vivons. Ça, hein, c'est la c'est un jungle. monde, ça c'est Vous un disiez être que humain. l'Europe, c'est le pays des droits. Où Hein, sont nos droits? voilà. On n'est pas des cochons qu'on doit fermer dans des tentes comme ça. Regardez, cadavres, des cadavres dans de la glace. Oui. Hein?
C'est peut-être une morgue à Moria. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe réellement ici. Oui. On a demandé qu'on puisse nous mettre dans de bonnes conditions. Nous dormons sous des tentes, des toilettes sont sales. Et voilà comment les gens vivent ici, en plein hiver. Vous dites que vous êtes dans des pays de droit où les droits existent. On ne saura jamais résister dans de telles conditions. Ça ne peut pas. Ça, c'est exposer des gens à la mort. Ça, c'est rébeller les gens. C'est exposer les gens à la mort. C'est ça. Ça, c'est rébeller les gens. Regardez ces enfants. Ça, c'est sacrifier des gens. Les gens passent ici pour aller trouver le bonheur. On les retient pour les tuer obligés. Et ça, c'est logique. Ça, c'est loger les gens ici. Regardez les gens. Ils sont dans des tentes. Ils sont là-dedans comme des maquereaux, des sardines. Oui, et si ça vous fait du bien, même votre chien, il vit mieux que nous qui sommes ici. Votre chien, il vit mieux que nous tous qui sommes ici. Et si c'est logique, c'est logique, c'est pas clair. Ça, vraiment, le monde ici, vraiment, est impossible, mais vivons seulement. Nous allons voir la suite. Ce reportage que je fais pour vous, les Allemands qui êtes en haut là-bas, qui retenez les gens ici. Parce que vous faites les gains sur nous, vous faites de l'argent sur nous. Regardez comment les gens sont. Regardez. Et si c'est logique, je vous demande. Et si c'est logique, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je fais cette vidéo pour vous, le monde. Regardez comment nous sommes ici. Regardez. Ouais. Demain, vous allez dire que Moria est aidé. Moria, on nous donne tout ici. On nous donne rien. C'est la souffrance. C'est la mort à petit feu dans cette île. C'est la mort à petit feu. Laissez les gens partir, on refuse. Mais vous retenez les gens. Oui. Que quoi? Mais on va dire à tout le monde de sortir pour marcher. Vous allez rester dedans. C'est ça. C'est comme ça, lundi, tout le monde doit sortir ici, là. Parce que la neige, si a commencé, ça va tuer quelqu'un. Ça va tuer quelqu'un. Avant de dire que lundi, ça va tuer quelqu'un. Oui, tout ça, là. Oui, regardez là, les gens vivent. Regardez. Je suis en train de faire une vidéo, Regardez comment le monde, un être humain vit. Regardez. Vous-même, regardez. Regardez comment les gens vivent ici. Ils sont cachés dans des tentes, comme des poissons congelés. Ils sont cachés. Est-ce que c'est normal, ça? Rien n'est logique. Votre politique est fausse. C'est une fausse politique. Oh mon Dieu, lève-toi. Parle à notre place. Dieu, lève-toi. Parle à notre place. Regardez comment les gens vivent. Regardez. Regardez là-bas. Regardez. Regardez. Il fait froid. Un froid de canard. Regardez comment les gens vivent ici, à Moria. Regardez. Et ils bénéficient de l'argent. Nous ne devons même pas le tiers de ce qu'ils bénéficient. Même le tiers. Et ce matin, avec la neige comme ça, ils vont prendre des jus avec des pains rassis pour te donner. Au lieu de te donner l'eau chaude avec du sucre même, il n'y a pas. Quand quelqu'un veut partir, vous l'arrêtez, vous le tabassez, vous voulez le tuer parce qu'il a vu qu'il ne peut pas vivre ici. Et regardez les gens en rang. Regardez les gens en rang. En rang pour un morceau de pain. Les gens sont en rang pour un morceau de pain. Les voilà. Les gens sont en rang pour un morceau de pain. Pour juste un morceau de pain que tu vas demander pour manger. Les gens sont en rang. Les gens s'alignent. Oui, les gens s'alignent. Pour manger un morceau de pain, les gens s'alignent. Regardez, tout ce monde ici. Nous sommes quoi, Seigneur? Nous sommes quoi? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi cette méchanceté? Regardez là, les gens vivent. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi nous avons fait quoi pour mériter ça? Nous avons fait quoi pour mériter ça? Même des condamnés à mort vivent mieux que nous.
même ceux qui ont tué, ceux qui ont massacré le monde. Vous voyez les images à France 24, oui. Même ceux qui ont tué, vivent 10 000 fois que nous. Oui, ils sont dans des prisons bien dorées, des prisons avec le chauffage et tout. Regardez comment nous vivons ici. Oh mon Dieu, interviens. Interviens, mon Dieu. Interviens. Regardez, interviens, Dieu. Dieu, interviens. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Les gens se mettent là, pourquoi? 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 Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça? Mon Dieu, est-ce que c'est normal ça? Regardez des gens qui sont alignés pour prendre un petit morceau de pain rassis avec de l'eau chaude. Mais d'autres fois, on te donne des jus bien petits jus comme ça là. C'est pas normal. Hein? C'est comme si nous sommes en Guantanamo. Voilà. Hein? Même à Guantanamo, bon. Les gens vivent mieux. Nous ne sommes pas des jugés, nous sommes des exilés politiques. Voilà. Regarde, regarde les conditions là. Ça n'est pas bon. Quand on dit les machines ne marchent pas, hein? Oui. Regarde ça. Demain, lundi, tout le monde sort. Tout le monde sort. Demain, va regarder comment les gens sont alignés. Pour prendre un pain rassis, un morceau de pain rassis. Oui, c'est ça. Regardez ça. Angela Merkel, regarde. On va vous envoyer l'argent. On n'a même pas le tiers de cet argent-là. On n'a même pas le petit morceau de cet argent-là. Mais on veut garder les gens ici. Est-ce que c'est logique? Regardez là où les gens vivent. Regardez tout ce monde ici attend le pain rassis. Tout ce monde ici attend le pain rassis pour donner aux gens. Est-ce que nous sommes des animaux? Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Oui, on doit partager partout. Oui. On doit partager ça. Regardez les femmes qui tombent partout pour aller chercher du pain. Regardez-les, regardez tout ce monde, Dieu. Ce sont tes enfants. Nous avons fait quoi pour mériter ça? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique ça? Non. Non, c'est pas logique, mon Dieu. C'est pas logique. C'est pas logique. Regardez. Non, même si c'est quoi qu'on a fait, c'est pas logique. Nous n'avions tué personne. Ce n'est pas nous qui avions tué Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui avons tué Jésus-Christ. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, mon Dieu. Ayez pitié de nous. Regardez dans quelles conditions nous sommes ici. Regardez. Voilà, regardez. Regardez. Les gens sont placés là pour attendre les morceaux de pain. Et c'est ça, c'est logique, ça, mon Dieu. Ça, ce n'est pas logique. Les gens sont là pour attendre les morceaux de pain. Et c'est logique, ça. Pour attendre les morceaux de pain. C'est pas logique, mon Dieu. Regardez. Hein? On parle tout ça à Angela Merkel. Angela Merkel, regarde comment tu as puni les gens. Et si tu peux porter la croix de tout ce monde aussi. Regardez. Tous ces gens s'attendent un morceau de pain. Un morceau de pain très rassis même, qui ne serait même pas mangeable. Regardez le monde entier, regardez. Les gens sont congelés comme des poissons. Les gens sont emballés. Regardez comment le monde est. Regardez tout ça là. Hein? Il n'y a aucune logique dans tout ça. Regardez. À Moria, l'argent que vous donnez pour nous aussi, on ne nous donne même pas le quart de cet argent pour pouvoir nous manger. Regardez tout ça là. Est-ce que c'est logique? Il n'y a aucune logique dans tout ça là. Mon Dieu, pardon. Pardon Dieu, lève-toi. Si tu ne t'es jamais monté ta face, monte ta face cette fois-ci. On a besoin de toi, mon Dieu. On a besoin de toi. Regardez tout ce monde aussi. En train de courir pour un morceau de pain. Regardez tout ce monde aussi. Ils sont là depuis 40, 45 minutes, une heure de temps. Mais le pain n'est même pas servi. La voiture n'est même pas arrivée. Regardez ce monde aussi. Comment nous allons vivre ici? Mon Dieu, pardon. Ce n'est pas nous qui avons tué ton fils. Je te dis pardon, Dieu d'Abraham. Aide-nous. Ne nous abandonne pas. Regarde-nous aussi. Chacun attend un morceau de pain pour manger. Les gens sont même découragés. Ils rentrent déjà. Parce que le pain n'est même pas encore arrivé. Est-ce que c'est logique ça? Le pain n'est même pas encore arrivé. Tout ça, c'est quoi ça? Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob.
Regardez comment les gens souffrent. Regarde comment tes enfants souffrent. Regarde tout ça là. Hein? Regardez tout ça là. Les gens rentrent même déjà. Ils n'ont même pas eu le morceau de pain. Les gens rentrent déjà. Ils n'ont même pas eu le morceau de pain. Regardez. Oh Dieu. Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Dieu. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, mon Dieu. Regarde. Aie pitié de nous, Dieu. Aie pitié de nous. Regardez-nous ici. Pour un morceau de pain. Pour un morceau. I'll send this video far. Far away. Yeah. On Monday. Everybody upside. On Monday. Oui. C'est quoi ça? Regardez ça, Dieu d'Abraham. Regardez tes enfants. Les gens qui rentrent déjà sans avoir pris le morceau de pain. Ils sont en train de rentrer. Parce que les gens s'en foutent de nous. Ils ne prennent plus que les chiens dans leur maison. Les chiens sont même mieux. Les condamnés à mort, ceux qui ont tué des gens, vivent mieux que nous. Oh Dieu, pardon. Pardon, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, mon Dieu. Aie pitié de nous. Les gens rentrent déjà. Ils n'ont pas pu prendre même le morceau de pain qu'ils venaient chercher. Les gens rentrent. Les gens rentrent, Dieu. Et c'est logique, Angela Merkel. Angela Merkel, c'est toi qu'on accuse ici. Les gens rentrent sans avoir pris le morceau de pain. Les gens rentrent chez eux sans avoir pris le morceau de pain. C'est logique. Ils sont sortis dans le froid. Ils n'ont même pas eu le pain. Ils rentrent chez eux sans avoir pris le morceau de pain qu'ils venaient chercher. Hein? Ça, c'est quel basta, ça. Ça, c'est quelle histoire, ça, mon Dieu. Oui, regardez, regardez tout ce monde, comment ils sont en train de mourir. Regardez tout ce monde qui vont rentrer sans avoir mangé. Regardez tout ce monde qui sont sortis chez eux depuis une heure de temps. Ils n'ont même pas pris le morceau de pain. Les voici qui rentrent. Ils rentrent chez eux sans avoir pris un morceau de pain. Hein, tout ce monde aussi. Est-ce qu'ils méritent ça? Nous méritons ça. Nous méritons ça. Nous sommes venus ici pour passer. Nous sommes venus ici pour passer. Et nous, on nous retient ici pourquoi? On nous retient ici pourquoi? On nous retient ici pourquoi? Ils prennent de l'argent sur nous, non. On ne nous donne pas de quoi manger. Même le déjeuner, un pain rassis. Les gens s'alignent pour prendre le pain rassis. On ne leur donne même pas ce pain rassis. On ne leur donne même pas ce pain rassis. Et c'est logique ça. Même le pain rassis là, on ne leur donne pas. Regardez comment ils sont abrités là. Ils attendent pour manger un morceau de pain qu'ils n'auront même pas. Ils n'auront même pas. Tout le monde rentre. Ils n'ont même pas eu ce déjeuner. Personne n'a eu ce déjeuner. Personne n'a eu ce déjeuner. Ils sont abrités là pour un déjeuner qui ne va même pas exister. Regardez, noir comme blanc. Noir comme blanc. Regardez comment nous sommes ici. Regardez. Oui, j'ai fait ce reportage. Oui, je dois le faire. Merci. Merci. Je vais vous envoyer ça. Les Français à France 24. Tous, vous allez voir. Vous allez voir. Des gens qui rentrent sans avoir leur déjeuner. Les gens qui... Les tentes là. J'ai fumé en bas là-bas. Les gens en bas, les gens partout. Regardez là où les gens dorment. Regardez là où les gens dorment ici. Ils sont congelés dedans comme des poissons, des sardines. Regardez, regardez ça. Vous êtes contents? Et si c'est mieux comme ça, libérez-nous. Tout ce que nous voulons, c'est la libération. Faites-nous partir. Faites-nous partir. Oui, fais-nous partir, fais-nous partir. Ouais, fais-nous partir.